Alors, Webflow en français. Alors, je sais bien que si tu es à la recherche de tutos en français de Webflow, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que moi-même, heureusement que je parle anglais et donc je peux me débrouiller, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien en français. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé il y a peu, de créer une formation spécialement en français. Alors, l'idée, c'est que ça reste une idée que j'ai envie de mettre en place à partir du 11 février. J'en dirai un peu plus lors d'un live YouTube ce 11 février. Donc tu peux déjà t'inscrire. Ça se passera en fin de journée vers 8h. Et donc j'expliquerai un peu de comment je compte procéder. Il s'agira d'une précommande et j'étalerai ça sur 2-3 mois, le temps de préparer vraiment du contenu qui corresponde à tes besoins. Tu pourras, si tu fais partie des premiers, tu pourras aussi donner des suggestions. Et donc je ferai la formation un peu sur mesure en fonction des premiers élèves inscrits en précommande. Et donc l'idée de cette formation, c'est quoi? Ben, c'est de donner la base en anglais, qui est proposé en anglais, pardon, ben, en français, mais ça va pas être les vidéos simples de comment utiliser chaque élément. J'ai envie de te proposer ça aussi, mais en plus de comment utiliser Webflow de manière vraiment efficace, concrètement, pour que ton business, pour que ton affaire puisse évoluer de manière beaucoup plus efficace et de manière plus rapide. Et donc, je veux aussi te communiquer ma manière de procéder par rapport au client, comment est-ce que je crée le site web en 5 étapes. Et donc, je vais développer ces 5 étapes avec toutes les questions, tout le contenu, vraiment tous les éléments que j'ai à ma disposition, moi, chaque jour, pour la création de site web. Et donc, je pense que ça va être une formation assez complète qui va te permettre, si tu parles français, que tu ne débrouilles pas trop en anglais, d'avoir vraiment quelque chose de solide sur lequel tu peux compter. Tu feras partie d'un groupe privé également, où j'organiserai tous les mois ou toutes les semaines des live calls, une demi-heure où tu pourras poser toutes les questions que tu veux et je serai là présent pour t'aider dans tes blocages par rapport à Webflow. Donc vraiment, le but de cette formation, ce sera la première. Et puis je compte en faire une l'année prochaine et une autre l'année d'après, qui va être beaucoup plus avancée. Donc pour moi, c'est important d'avoir les bonnes bases. Et une fois qu'on a les bonnes bases, que tu peux vraiment faire un gros chiffre d'affaires annuel, tu peux passer à l'étape 2 et puis à l'étape 3. Et donc tout ça, j'ai en tête actuellement, mais on va commencer petit à petit. On va commencer par la formation Webflow, où tu auras toutes les bases en français pour comprendre Webflow, comment l'utiliser de manière efficace, et puis en même temps toute ma méthode en 5 étapes pour que vraiment la gestion du projet n'aura plus de secret pour toi. Tu n'auras plus de stress à avoir par rapport à la gestion du projet et de tes clients. Tout va se passer de manière fluide. Et donc vraiment, cette première formation, je pense que si c'est ce que tu es à la recherche aujourd'hui, devrait te plaire. Le lien se trouve juste dans la description. Si la vidéo que je présente aujourd'hui, eh bien, est dépassée, n'hésite pas à visiter le site apides.be dans la partie freelance, je veux apprendre. Et là, tu vas pouvoir voir la vidéo, voir toutes les formations. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur le site. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que cette formation va pouvoir t'aider dans ton parcours en tant que freelance web designer. Allez, c'est ce que moi j'ai en tout cas l'intention de faire, c'est de te booster et d'être avec toi. Allez, on se dit à bientôt. Ciao! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!